Alors, je voudrais dessiner le système solaire à l'échelle. Donc, pour ça, je vais repérer le centre de la feuille pour le Soleil. Voilà, donc le Soleil sera ici. Je planterai mon compas à chaque fois au centre. Je vérifie que ça rentre 10 cm de chaque côté. Ensuite, donc, je repère 10 cm pour tracer l'orbite de Neptune. Ensuite, je plante mon compas et je trace l'orbite de Neptune. Ensuite, je vais placer donc Neptune quelque part sur cette orbite. Et je marque la légende. Planète suivante, c'est donc Uranus, qui va être tracé à 6,4 cm. Donc je repère 6,4 cm. Je prends le compas et je trace l'orbite d'Uranus. Je place dessus n'importe où Uranus. Planète suivante, Saturne, que je vais tracer à 3,2 cm du Soleil. Je repère 3,2 cm, puis je trace à l'aide du compas l'orbite de Saturne. Je place ensuite Saturne sur cette orbite. Planète suivante, Jupiter, que je vais tracer à 1,7 cm du Soleil. Je repère donc 1,7 cm. Puis à l'aide du compas, je trace l'orbite de Jupiter. Je place Jupiter sur cette orbite. Maintenant, Mars. Alors Mars est à 0,5 cm du Soleil. On ne peut pas la tracer au compas. Donc on va repérer 0,5 cm, c'est-à-dire un petit carreau autour du Soleil. Et ensuite, à la main, on trace l'orbite de Mars. Je repère Mars sur cette orbite. On fait de même pour les autres planètes. Donc la Terre qui est à peu près 0,3 cm du Soleil. Ensuite, Vénus qui est à environ 0,2 cm du Soleil. Et Mercure à 1 mm du Soleil, c'est-à-dire 0,1 cm du Soleil. On marque ensuite la légende. Et c'est terminé.